Alors on est avec Van Seb devant nous, voilà, on voulait vous faire découvrir un petit peu les allées du CES. Alors là on est dans le coin des Asiatiques, donc avec Taïwan, Hong Kong, autant dire des allées où il n'y a pas grand chose qui nous intéresse, avec principalement des prises, des docks, des... Allez, on va le dire, des diodes, des contrefaçons. Alors on le voit, des casques, et des casques, et des casques, et beaucoup de casques. Tellement de casques qu'on va directement se diriger en fait. Crator pour faire quelques photos. Voilà, parce que chez Crator, voilà. Pour Xavier, un petit tour chez Crator. Alors là, on vient de changer, mais on est toujours chez les Asiatiques, et vous allez le voir. On a du casque encore, comme assez souvent. Mais on va essayer de vous trouver une télé 3D qui marche sans lunettes. Alors vous allez voir, par contre, ça a un seul petit désavantage, c'est que c'est un petit peu flou. On dit aussi quoi, on est dans le Hilton quand même. On peut dire qu'on est en Paris. Ah, XSPC, petit peu de water cooling. On va aller prendre 2-3 photos un petit peu après, histoire de découvrir tout ça. On va aller voir de l'autre côté, on voit qu'il y a des choses pour tenir les écrans. On s'en fout, on éteint maintenant. Alors, il faut savoir qu'au CES, une des particularités, c'est quand même que les stands de certains constructeurs se trouvent dans les suites d'hôtels. Donc là, on est dans le Hilton, dans les couloirs du Hilton même, avec un Vansep qui se cache à gauche. Attention, il va vous faire peur. Ah non, bon, il n'a pas dû entendre. Et donc, en fait, là, on est tout simplement en train de chercher la suite Silverstone. Donc, on tourne, vous voyez, il y a des stands, en fait, un petit peu là-bas, il y a des pancartes. Là, il y a Vansep qui se cache. Et donc, il faut avancer par là-bas. Et donc, en fait, voilà, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Ça tombe bien, puisque tout à l'heure, on ira chez Mad Cat. Souris, chat, ouais, on vous laisse. Voilà, c'était un jeu de mots à la Ramucho. Et donc, on se dirige vers Silverstone. On ne sait pas encore si toutes les vidéos qu'on fait au CES seront mises sur Cocotte TV. Tout ça part pour un souci d'éthique vis-à-vis de nos sponsors. LDLC, merci. Et Cooler Master, merci. Sur ce, à plus tard pour d'autres vidéos sur Cocotte TV.